Et mbote nabino bosa kolanda chaîne YouTube nabino DMTV ou proposa kabino actualité mais proposa kabino pe ba analyse sur ba sujet d'actualité ba fait sociaux to pe ba réalité ndenge toza ko vivre ango na mboka na biso République démocratique du Congo boebika ka actualité za dominé hein, par sur le plan politique en tout cas par makambo yo Fayulu na Teodongo ba sangani baza kolinga kosala Félix Tshisekedi en quelque sorte qui na FCC ndé toko analyser makambo wana pe réaction ya honorable Mike Mukeba qui fait partie de la Moka toko yeba ko analyser ba propos na ye o toko yo kisabino tout à l'heure mais avant toko tala mozindo ya les soto ngito beta na bino lelo bo ebika Canadien MTV toko lembakte bo lembape bisote pona maladie oyo ya corona virus to joie déjà mokano ya kobino pe ko sensibiliser biso surtout to yeba ko respecter ba mesure barrière parce que seule prévention ezali efficace contre maladie oyo potomi batela to batela pe ba famille na biso singe na biso kotosa oyo ba iminganga ba lobi na biso poto respecter en tout cas ba mesure barrière nyo sotour Martin Fayulu asangani na maître Théodore Ngoy to benga ebongo bien que bango nyo sotou bazali ba ancien ba candidat hein, malheureux ya élection présidentielle Salima ki na 2018 mais Martin Fayulu a ye ko sangana na Théodore Ngoy pona ko pesa makasi na Théodore Ngoy na démarche azali ko sala démarche qu'on va qualifier de pro FCC parce que ba juge oyo Théodore Ngoy azali ko défendre bazali très clairement proche ya FCC pe Martin Fayulu malheureusement à la kisi devant face ya monde mobimba immaturité politique na ye avec des réactions intempestives ba réaction moko oyo azali des réactions d'homme d'état te sans tenir compte de tous les paramètres il s'est permis ya ko soutenir publiquement démarche ya Théodore Ngoy ou Isali koluka destitution à Félix Tshisekedi sans koyeba ko réfléchir sur ba conséquence ko ki kozala nango est-ce que na niveau ya Lamuka lorsque Martin Fayulu prend une telle position est-ce qu'a consulté bande konaye ya Lamuka est-ce qu'a yoki avina bango est-ce qu'a yebini ne koy ko memate voilà ce dont nous allons parler mais déjà Mike Mukeba y a pu déjà réagir hein pour la par rapport ya ba ya makambo Martin Fayulu asali est-ce que Mike Mukeba a soutenir Martin Fayulu to azali contre yangonde lokoto yeba tout de suite au toujours Land Sabino un extrait ya émission Bosolo na politique et pas iwapi Mike Mukeba aleka ki pe a pesi réaction na yona c'est ce que nous vous proposons quelques petites minutes en tout cas où Mike Mukeba a dit l'essentiel par rapport à point de vue na sur la question ne tokozonga pour que tokoka ko analyser ango je rappelle que Bosolo Land chaîne YouTube Nabino DMTV yom tozano na abonné ten de konangai ozozela nini cliquez comme abonné ko bosta na te petite cloche qu'on apparaître juste à côté la cloche de notification qu'on permettre d'ailleurs rattraper sous sous tes éléments sur ton côté ici suivant au Mike Mukeba et nous nous retrouvons tout de suite après on a Makambo bon moni bino mokonde ma solo zali ndeko Théodore Ngoy koto l'échec pas l'échec na ba candidat président ngam na lobité seni mutabisa biloko ngai na publier ba résultat mais seni na ba résultat pesaka Théodore Ngoy ba l'échec na ba tasuko ba benda mukila Martin Fayulu selon Seni abimara deuxième selon Seni abimara deuxième mais yemo ka lobara mara premier ngai pe na publier akate na koloba tena na zaka premier po ezanga ite ezaka Seni na yebi le chek na yebi na deuxième o Seni alobaka comment on va prendre maintenant le dossier Théodore Ngoy Martin Fayulu on va commencer avec Mike Mukebai juge Kilomba et Oboul ba se coaliser donc Théodore Ngoy na Martin Fayulu va se coaliser pour nous soutenir schéma. Il y a destitution au Parlement. Il y a président de la République qui est accusé de haute trahison. Il y a nomination à Salagi. Tant que le Premier ministre a déplacé Salagi, ou à Salagi, il y a semaine, ministre intérieur, à Tchaka Mokoloto, le ministre de la Défense, le ministre délégué pour le ministre de la Défense. Lelo, il y a tout le monde qui est en train de se faire. Comment vous jugez la démarche
y a un candidat président mi balé ou ya 2018. Pour la bateau et bélé observateur, va zon mona que Martin Fayulu a commis sous-traité na FCC. FCC a tchelier mi solo. Pourquoi on a mis Bobo Salando ton à l'autre raté. Lecture, vous avez 5 minutes pour nous démontrer vrai ou faux le président a violé la constitution. S'il a violé, il faut. Non, mais le bango, il y a un bango qui a montré que c'est à mon nom. Aucun d'accord, il y a un bango qui a montré que c'est à mon nom. J'ai 18 et bon, on a une troisième voix qui a montré. Tu as tout dit. On a quand même montré FCC, troisième voix et qui a montré. Il est bien ça, Congoman. Moi, nous n'avons pas eu. N'agoya, Kobunde la Garobewa. Bah, Congoman, il va éviter à mon toit FCC, troisième voie au TK et pas à Kabila. Yango, Makambo, Kobeb Sambouk. Makambo, haute trahison. Makambo, oh, et salami, l'obiwa. Destituer le président de la PIB. Oh, et sal. Et Kobandandenge Nini, la Mouka, tout ça, la Likambo, mon roi, repose à Kabila Makazi. Makambo, mon conducteur, la salle, l'obiwana. N'agou, mon antenne, Kokumba, bisoudé. Et après, si vous avez un peu de temps, vous avez un plan de sortie de crise. Vous avez un plan de sortie de crise. Vous avez un plan de sortie de crise. Vous avez un plan de crise. Vous avez un plan crise. Vous avez un plan d'aggravation de crise. Accentuer la crise. Ce qui arrive, c'est que vous avez un Félix Tebakana. Pourquoi vous avez un côté? Pourquoi vous avez un côté? Pourquoi vous avez un côté? Vous avez un cabiniste à mon aîné. Théodore Ngoy. Aïe aïe pour le bango, naïe. Et bandi wapi. Il y a beaucoup de bango dans la mouka. Au paniga, il y a évité, mais on a évité pour la mouka. Oh! Tout ce qui a coupé la mouka, mouka et la moto. Tout ce qui a eu le bon mouka, il y a eu un akina pour que vous puissiez faire le bon. Fayulu a trahi la mouka, selon vous. Na ngai na ebi suyo, il y a un ebi yangote, na gotika goye ba yangote. Pour la mouka, il y a un moto moto tini gaite, ma kaisa na mokolo. Na kota ke la soli gambali ma pepo na mboka nangem na na tango tena ko tuma moto na na kolobani nga na memete soli gambali ma be ma be likambo na li ma be fayo lu sou traité par FCC et li ma na lobi de zali ma be ya ko saka na ngote kaka ko tele mandenge ba tele mina todo ngoyiwa na na ko kama yango na na suki wana te yango na Kongo ba to ba bundaka etumba ya solo ba na tina te. Motoloko a Nico Mayengele, Motoloko a Steve Kibwata, Motoloko a Nani Prince Pereba na Tinate. Fayou lozana misala ya kopesa twasa opesi disanga bonganga. Disanga nde ba pesi yo mission ya kokenda kokutana kana bato lisanga bonganga obite na pesi yo mbano bana bamona lokumu. Yoza moto tambola kanzia malamu, c'est ça l'exemple que Fayou donne au Congolais. Donc vous pensez que lisanga n'est pas un modèle? Attendez, attendez. Politique. A zonga kunande ga zonga vana nae. La mukeza ya gate bandimi, yeso bandimi, ye bandimi. Sikoyo, nandenga yengi yengi atamboli te. Sikoyo la kisiba anabiso, fayo le sika rabo konja, kisiba amsote, lisangande penza ali moto, bola nandia na ina pesi ye mosala. Bagoko pesa mo Steve ki vwa tate. Moto yo yengi yengi, baba zan, kate tumba bandakala. Tout le monde est là pour le voir. Aux autres, la démarche, il y a Fayulu, tous les autres, la moto, la pessi, ma casa. Oh, ma pessi, ma casa, wana! A quoi qu'on me met tout le monde à la vie sauter? A yen, avant d'avoir, à quoi qu'on me met tout le monde à la vie sauter? A yen, yen, tant que l'exercice, pas comme moi. Mbano, n'a ma camoua ma bé. Tant que l'on a bongé sa congo, les colottes. Soit la séance, on a bannié un hôtel, il connaît ton cocaïne. Mano, le coup mon abattoir, voilà le Lumumba. Mettez le Lumumba pour le Lumumba politique, mettez le Lumumba pour le Lumumba. Et c'est ça, c'est ça. Et profitez de la tonne à Mouka. Et pas que Mouka, Félix, pour le moquer, pour le moquer, pour le moquer. Il est comme un moment, pour le moquer, c'est ma casse. C'est ça, ma casse.
biso la muka to twa mokongo na biso to pesa boye FCC mata pour bogola Félix Fayulu na moya ngaya ko le kate Fayulu azo sala jeu ya Kabila ah na boye ko kota songiso ngi wana yo motolo biango nga na bina yo na mokongo mokeba FCC ko le kate très bien so ba le na mokongo mokondi Fayulu ale za mokongo mokondi Fayulu e ozali de boye ngaya ko le kate e oza déçu ndeko na na kanda na lali mabe na lali mabe na moni ngo le kola ngabi yango boni Congo truc ko voilà, Boti Kolanda Mike Mukebayi, je crois que vous êtes fait une idée sur position et sur la question. Et je pense que Mike Mukebayi, en tout cas, Nazali, Kosaliné, na position à Mike Mukebayi, Oyo, a rappelé à Martin Fayulu que Yende a Salaki plan y a sorti à crise après constat que crise effectivement est Zalaki et que Koti Kalapé na position on a réclamé vérité des urnes, sa position Mogo et Komemayo nulle part. Martin Fayulu a finalement proposé plan. Moko est sorti des crises. Oyo pe zali leitmotiv ya la moko ezali ko sala ke la moko continue ko bunda pour ka koka ko faire accepter plan wana ya sorti des crises na batunyo. Surtout il y a quand même plusieurs initiatives où ezali ko kende pe na sens, en tout cas ya ko na même sens hein, par rapport ya plan de sortie des crises, même si ba element nyo surtout ezali pris en compte. Mais brusquement Martin Fayulu vient avec un autre plan où ezali plan d'aggravation de la crise avec cette histoire de Dechon. Il y a Félix Tshisekedi, amené par un candidat malheureux à l'élection présidentielle qui était parmi les derniers des derniers et qui est devenu du coup avocat. Il y a bah, juge, il y a cour constitutionnelle dont on sait que Bazali, juge Moko Bazali pro-FCC notamment Kilomba na Ubulu. N'oublions pas non plus qu'Azali Pele sous conseil, il y a Benoît Alouamba Otomona qui déjà réagi ça, qui est contre démission. Il y a Benoît Alouamba. On sent que démarche, il y a Théodore Ngoyezali juridique, Penza Mingi Tezali beaucoup plus politique. Il cherche la tête de Félix Tshisekedi, mais pour le compte de qui? Visiblement, soit tu vendis, tu calcules, tu raisonnes bien, tout le monde a que démarche où Ezali Kosalama, Ezali Kakana avantage, il y a Kamoko, Ezali Kan Joseph Kabila. Donc il est clair à ce stade pour nous que Martin Fayulu, connaissant Kazali Moutouamaye, le pauvre Sabiso Katanga, Sala Naba, Naba Société Belé Pétrolière, Yaminene. Mais donc, nous supposons qu'Aza intelligent, il suffit une petite analyse sur cette question pour comprendre que avantage Rosalandais na FCC, ce que Félix Tshisekedi a destitué. Félix Tshisekedi destitué aujourd'hui, qui prend les rênes du pouvoir? Qui va diriger le pays entre-temps? Je pense que ce sera le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. Et Yende Mouta Rosalapé chargé à organiser justement bah élection, na délai imparti par la loi, bien entendu, ce qui a peut co-respecter Ango. Est-ce que Martin Fayulu gagnera quoi? Félix Tshisekedi le loi a destitué. Donc une haine vis-à-vis à Félix Tshisekedi de commis cotinda yo n'a composé ba acte ou ezali contraire na acte ou un homme d'état qui composé. Ce n'est pas normal et c'est bien que Mike Mukebayi a rappelé yo ba engagement na yo a rappelé yo que au sein la Muka au koki ko zo initiative ya modèle wana te ça on consulté pe ba père na yo ya la Muka. Ce n'est pas normal. Moi j'ai été vraiment choqué aussi. Il y a Romain na Martin Fayulu le côté à Théodongo il peut réagir. Bongo lui qui prétend être avocat, il y a bas juge Wana, mais il vient chercher quoi chez un politicien Martin Fayulu pour parler d'une question éminemment juridique. Aïe Koloukani, on appelle Martin Fayulu qui est pris tel un enfant sans comprendre les enjeux. Amiti qui peut kakaboué, quelle erreur grave à la kissi na face du monde, immaturité politique na yepe, à Zaline immaturité politique na nenga osakanate. Nous sommes en train de les découvrir en tout cas parce que Botalaye, avant d'y kakaboué, c'est vrai que l'ambassadeur ya Rwanda a tenu des propos. Choquant, mais un homme d'État qui a été expulsé, non, il faut maîtriser le tempérament parce qu'un homme d'État n'agit pas comme ça. On privilégie d'abord la diplomatie et non directement qu'on se montre avec brutalité modèle. Il faut que Mbappé ait un rapport de force entre les pays. Si vous avez un cas, il peut être que la guerre pour le plaisir, il y a aussi la guerre. Il faut que Mbappé visiblement Martin Fayulu a Zoye Baté à Salanin, il ne sait pas se positionner. Après le combat de la vérité des urnes, a commis une telante là, Nengibiso Tolobaka, Mbeya Mbeya, à Zoye Baté à Salanin. Je pense que nous l'avions dit dans une de nos analyses précédemment.
certainement que Martin Fayulu et Loko Asali, ça va certainement énerver Jean-Pierre Bemba, ça va aussi énerver Moïse Katumbi, parce que ça n'a pas de sens. Na ébité ce qui Adolphe Mouzito a continué que l'andara karababouzo bayaboye, parce qu'il faut dire que c'est vraiment une bêtise. Nous cherchons à sortir de la crise. On ne sort pas d'une crise en créant une autre crise ou en aggravant encore la situation. Comment yoko ki kolanda Teodongo, alors que Teodongo na makambo a comme le rôle à juger parti. Aza avocat ya batouana. Yo ke nous sangalana inengenini. Ça n'a pas de sens. Et en plus, yo moko zo reconnaître que ce sont les mêmes juges au bakosiona qui lors ya élection wana tango yo kendagi makam na cour constitutionnelle. C'est quand même malheureux. Comment Martin Fayulu peut-il réfléchir comme ça? Alors, il y a une autre hypothèse où ils ont eu la biso tozo mitouna. Est-ce que finalement Martin Fayulu aza na kati assiette na été? Est-ce que depuis toujours Martin Fayulu n'a pas toujours roulé pour Joseph Kabila en trompant bande comme sous sur opposition? Parce que surtout avant dit au raisonner le sous modèle Adam Bumbo la Polaka na élection à gouverneur ya ville province ya Kinshasa, nous reconnaîtrons en tout cas un rôle macabre qu'avait joué Martin Fayulu par rapport na Adam Bombole. Et c'est vraiment très malheureux, parce que Adam Bombole a fait les frais alors que le MLC était majoritaire, mais grâce notamment à Martin Fayulu Kimbuta a pu passer. Après il s'en est suivi révélation sur Mbongo Moko Boyo, il y a des Fakiso pas Kimbuta et qu'ils avaient en tout cas des liens et qu'ils étaient très proches. Est-ce que finalement souci à Martin Fayulu et à la Kapenza souci à peuple Nenga prétendra yango? Donc on peut pas confirmer en tout cas cela, et c'est vraiment très triste. Et donc surtout lundi les sous likambo et les kilelo tozoango karaboeta en sous tozoka nzaka keza immaturité nzoka keza immaturité tenka Martin Fayulu réellement roule pour le camp de Joseph Kabila. En tout cas l'avenir nous dira à quoi par rapport na Martin Fayulu makambo azali ko sala oyo ezali ko mona en tout cas que ezali bien té destitué Félix Tshisekedi pour donner en tout cas babeki na FCC pour se débarrasser na Félix Tshisekedi. Finalement la Mouka commence à inquiéter. On a destitué Jean-Marc Kabunda na Assemblée nationale en utilisant un député MLC ya la Mouka, alors même que Bemba pesaki mot d'ordre na sens moko contraire ko za na ba réserve. On a utilisé encore un député la Mouka lelo oyo ba comme ko utiliser Martin Fayulu, et lui-même n'arrive pas à comprendre cela, et ce qui est très triste. Immaturité politique nandenge ya mokete. Donc voilà un peu le solo tonga tout échangé nabino par rapport ya Kaoyo nenge Martin Fayulu se comporter comme un politicien à bandit politique yango le lonzo kaza mutumoka banda yango pe kala. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout réagissez au travers des commentaires Abonnez-vous également sur votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification à côté, elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de DMTV. Protégeons-nous car le coronavirus est bien réel Respectons des mesures barrières car la prévention reste notre seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé, vos minutes si précieuses. Nous espérons vous retrouver très prochainement dans un sujet Moussoussou, il y a actualité. DMTV vous dit au revoir.